Education. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'est de l'île Maurice, sur le domaine golfique d'Anaïta. Oui, bonjour Pierre. Nous sommes dans une belle propriété aujourd'hui. Il fait très 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 beau. On est sur un golfe, le golfe d'Anaïta, qui est très connu dans l'océan Indien. Donc un des prime spots les plus cotés de l'île Maurice. On peut dire ça comme ça ? Absolument. C'est vraiment un domaine qui est très recherché parce qu'il donne l'accessibilité à l'île aux cerfs. Il donne aussi la possibilité de pouvoir prendre un verre au Four Seasons, qui est quand même très très proche. Oui. Là, typiquement sur le placement du jour, nous avons une vue sur le golfe qui est le prolongement du jardin. Bien donc sûr. C'est juste magnifique. Incroyable. Très vert, très bien entretenu. On a une vue aussi sur le lagon. D'accord. Très bleu turquoise, donc on voit aussi les bateaux passer. On a une vue sur l'île aux cerfs. Et on a aussi une vue sur les communs. Juste derrière, la plage. Donc on peut aller à pied, prendre un verre au clubhouse. D'accord. Et aussi bénéficier des facilités, toujours à pied, comme le domaine Anaïta. D'accord. Donc c'est un domaine extrêmement sécurisé, je suppose. Et c'est un domaine qui regorge d'une communauté très sympa, qui aime le golf, une grosse communauté de golfeurs. Tout à fait, qui aime la vie. Et la clientèle qui vient en tout cas s'installer ou investir à l'île Maurice, c'est des gens qui aiment vivre, qui aiment prendre le temps et qui aiment aussi beaucoup la nature. D'accord, très bien. Tu vas nous faire faire un home tour ? Absolument. Donc aujourd'hui, ce sera un home tour un peu spécial. Oui. Parce que nous sommes sur une opportunité d'investissement. Une maison d'envergure qui fait 580 m² avec un terrain de 2700 m². D'accord. Très généreux. Très généreux, mais où il y a du coup des travaux à réaliser. D'accord. Pour pouvoir, sur le long terme, faire une très belle opération. Donc une opportunité pour les futurs investisseurs. Complètement. Là, on s'adresse vraiment à des investisseurs ou bien des personnes qui souhaitent s'installer, mais il faudra prévoir des travaux. D'accord. Donc cette maison, nous avons, elle est dispatchée par, il y a 13 pièces différentes, donc elle est assez grande. Donc nous avons par exemple une terrasse d'été qui est couverte, déjà d'envergure, qui doit faire à peu près 60 mètres carrés. Oui. Nous avons toujours sur la partie, donc là on part de gauche à droite, face à la maison, on a un espace hammam, spa, salle de repos et de massage. D'accord. On a toute la partie cuisine, arrière-cuisine, ce qui est pratique parce que lorsqu'on reçoit, on a des personnes qui viennent aider justement pour le service, pour la préparation. D'accord. Donc qui est séparé des espaces de vie. Donc ça, c'est très agréable. Ensuite, vous avez un espace télévision qui est… Un TV room. Qui voilà. Est assez courant donc à l'île Maurice. Complètement. Qui est séparé du living room. Ouais. Qui permet du coup de recevoir des amis dans l'espace de vie principal et d'avoir éventuellement des enfants ou d'autres amis qui regardent la télévision en fonction de l'heure de la journée ou des habitudes. Donc là, on voit vraiment que la maison est ouverte sur le golf et sur la mer. Et comme Pierre-Axel l'a mentionné tout à l'heure, on peut faire beaucoup de choses à pied ou en voiturette et c'est très sécurisé aussi pour les enfants. Complètement, c'est un domaine totalement sécurisé avec un gate privé à l'entrée. Et comme tu l'as dit, cette maison qui est vue océan, vue lagon, oui. En fait, de toutes les pièces, on voit, à part peut-être une ou deux chambres qui donnent sur le jardin arrière, on voit l'océan de toutes les pièces. Incroyable. Non, ça fait très plaisir. Alors du coup, vous le verrez lorsqu'on se balade dans la maison. Nous sommes sur des, puisqu'elle a été construite en 2009 d'accord. environ, nous sommes sur une architecture de type colonial chic, mais quand même moderne. Moderne tout de même, oui. Mais avec du bois un petit peu foncé. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la clientèle aime beaucoup revenir sur de la luminosité, donc des bois beaucoup tout plus clairs. Très blanc. Ouais. Avec, donc là, au sol, on est sur des marbres avec des teintes grises, par exemple. Du travertin également sur l'extérieur, autour de la piscine. Exactement. Donc là, on voit qu'il y a un travail malgré tout de nettoyage pour faire rayonner ce travertin. On a une piscine qui fait 20 mètres sur 5 mètres 50. Donc presque un couloir de nage pour les ah nageurs. Ah voilà, si on aime nager, là on est vraiment, c'est parfait. On a une terrasse qui s'avance sur la piscine. Donc là aussi, qui a été réalisé en bois. On ressent que là, il faut venir un petit peu la restaurer ou la rendre beaucoup plus attractive pour y passer du temps. Bien sûr. Et sur la partie droite, en fait, on a deux chambres qui sont ensuite en bas, d'accord. dont la master bedroom qui est prolongée avec un espace salon. Qui donne la sensation salon, intérieur, extérieur. Voilà, avec un écran
de profiter de... On va dire que c'est une salle de cinéma, d'accord, mais de type tropical, avec justement des ouvertures de toutes parts, qui permet vraiment, lorsque vous voulez regarder un petit film en fin de journée ou en soirée, de profiter du climat de l'île Maurice. Très bien. Tout en étant dans le prolongement de sa chambre. D'accord. Ensuite, à l'arrière, nous avons une deuxième chambre qui est ensuite aussi. Pour les invités. Pour les invités. Plutôt les pour amis. Les invités, oui. Absolument. Et nous avons aussi un escalier en bois massif qui tourne et qui monte, qui vient desservir un espace bureau et aussi deux autres chambres qui sont ensuite. D'accord. Très bien. Alors, l'une de ces deux chambres a une particularité, celle qui donne. Donc sur le golfe, le lagon, elle a aussi une piscine dans le prolongement, un bassin. Oui, suspendu sur la terrasse. Exactement, donc qui permet voilà, pour de nouveau, soit vos enfants ou les amis, de profiter de la vue tout en se relaxant. Donc, ce bassin fait quand même environ 5 mètres par 2 mètres, d'accord, une taille assez intéressante. Concernant l'entrée, nous avons une entrée très généreuse, avec très végétalisée aussi, oui, qui permet de venir garer 3 voitures facilement à l'intérieur de la maison. Donc c'est une villa vraiment clôturée qui n'a pas de vis-à-vis. Alors sur la partie arrière absolument, mais sur la partie devant c'est complètement ouvert pour justement bénéficier de la vue au maximum. D'accord. Alors quelqu'un qui aimerait avoir un peu plus de privacité, c'est tout à fait possible. Il suffirait venir rajouter une clôture végétale de peut-être 1m40 qui permettrait lorsqu'on se baigne ou lorsqu'on est en train de bronzer par exemple, d'avoir une privacité complète. D'accord. Et donc, lorsqu'on est assis, du coup, on n'est pas vu, mais on voit toujours les attraits numéro 1 de cette maison. Alors aujourd'hui, pourquoi c'est un événement spécial? C'est que c'est peut-être l'un des emplacements les plus cotés d'Anahita, de par la situation. On est sur le trou numéro 18. Et donc, c'est un trou vraiment très reconnu et qui offre justement le fait d'être à pied, je répète, parce que c'est super important. Oui, c'est très important. Des communs, et avec un balai du regard, avec une vue à plus de 180 degrés, l'île aux cerfs, le golf, le lagon, le Four Seasons, qui est très proche aussi, on peut y aller en golfette. C'est juste en face. Absolument, on a une jetée qui est à quelques mètres aussi, donc qui nous permet en bateau d'aller rejoindre l'île aux cerfs ou tout simplement de faire une balade dans le lagon, puisque l'Est, le lagon de l'Est est peut-être l'un des plus grands lagons du Nord, les soucis. Très reconnu pour ça. On est vraiment dans une qualité de vie optimale et c'est le type de maison ici complètement rénovée que nous pourrions nous engager à revendre